Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part, ça va. J'ai décidé aujourd'hui de faire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire, c'est de retracer les événements qui ont eu lieu dans la vie professionnelle de Kenji sur l'année 2016. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre en dessous de la vidéo et de mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Voilà, bah écoutez, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Voilà, je vous dis au revoir. Bye bye. En janvier, le clip nommé Miresmas avec Soprano est en ligne sur YouTube. Le clip retrace l'histoire d'un jeune homme qui rencontre une jolie jeune fille, mais qui s'avère être la copine de son meilleur ami. Du coup, il préfère ne plus la revoir. Le 9 janvier, il est l'invité de MFM Radio. Le 11 janvier, il nous fait la surprise d'un duo avec Soprano dans l'émission « C'est à vous ». Et dans la foulée, on le retrouve toujours avec Soprano sur Énergie dans l'émission de Koé. Il est nommé aux Victoires de la musique comme artiste masculin de l'année, mais malheureusement ne gagnera pas. En mars, c'est sa tournée qui commence et, bonne nouvelle, son album Ensemble devient disque de diamant. En avril, et notamment le 25 avril, le clip « Tu y yo » est mis en ligne. C'est le retour aux racines, l'envie de voir les gens qui nous tiennent à cœur. En mai, il est l'invité de la finale de The Voice et ce soir-là, c'est l'homme au bonnet, donc Slimane, qui remportait cette victoire. Le 24 mai est une date à retenir, première fois qu'il chante dans un pays étranger, le Maroc. En effet, il donnait un concert au festival de Mawazine devant plus de 100 000 personnes. En juin, il participe au Show Euro 2016. Le 17 juin, sa chanson « Mekemo » remporte le titre de meilleure chanson de l'année. Toute la Tamikanji est aux anges. Le 21 juin, on le retrouve à la fête de la musique à la télé. Et le 24 juin, une nouvelle chanson est dévoilée. Sonnerie, ça. En juillet, le 4 juillet, donc le clip Sonnerie, ça est en ligne. Un vrai voyage à travers la Camargue. Mais juillet, c'est aussi la tournée des festivals. À Albi, 10 000 personnes répondront présents et à Solliès-Pont, c'est plus de 8 000 personnes qui viennent l'accueillir. Du jamais vu. Merci, monsieur le maire. Le même mois, il s'envole pour la Corse et il est étonné de voir qu'il est aimé sur l'île. Sacré Kenji. En septembre, le 18 septembre, on le retrouve pour une soirée musicale au profit de l'association Un sourire, un espoir pour la vie, aux côtés de DJ Paga et Bande à part. Ils ont mis le feu. C'est aussi le mois où il est nommé dans la catégorie artiste masculin francophone Energy Music Award. Malheureusement, il ne remportera pas les NMA. En octobre, le 7 octobre, on le retrouve au Zénith de Toulon où, malgré un concert un peu court, il a su mettre le feu, une ambiance du tonnerre. Puis il ira faire aussi un petit viré à l'île de la Réunion et l'île Maurice, où il était attendu les bras ouverts, chose qui pour lui paraissait incroyable. Il ne pensait vraiment pas qu'il était autant aimé dans les îles. En novembre, il sort l'édition Collector avec des titres inédits, « Macalina, elle a tout, jamais à genoux » et bien évidemment « Sonrisa ». En décembre, première télévision italienne dans l'émission
Kazamika, puisqu'il était l'invité de Mika. Cyril Hanouna, quant à lui, lui demande de venir à Touche pas à mon poste pour sa promotion. Nous le retrouvons aussi dans l'émission radio de Pascal Nègre sur RFM. Grand merci à Pascal Nègre d'avoir pensé à lui. Puis, il se produit au Téléthon où il interprétera sa magnifique chanson « Macalina ». Et enfin, il rejoint la troupe des Enfoirés où il intègre la mission Enfoirés à Toulouse en janvier.